Dans cet exercice, nous allons voir comment mixer deux pistes son. Nous avons ici l'album Brown Bear et je voudrais installer par-dessus des petites transitions sous forme de harpe. Je vais prendre mon fichier harpe, je vais le glisser ici sur la fenêtre, je vais l'agrandir pour que l'on voit mieux. On a désormais ici notre fichier harpe que l'on va pouvoir copier et insérer par exemple ici, sous forme d'un collet, pour créer une transition et indiquer ainsi à l'élève que l'on doit tourner la page de l'album. Vous voyez ? Ensuite ici, voilà. Une fois que l'on a fini, on doit mixer la piste de la voix et la piste de la musique. Comment est-ce que l'on fait ? On sélectionne toutes les pistes, ou alors on va dans Piste, édition, sélectionner tout, ce qui revient au même, et dans Piste, je clique sur Mixage et rendu. Les deux pistes maintenant n'en forment plus qu'une, que je peux écouter et ensuite exporter en MP3, comme ceci sur mon bureau, en cliquant sur Enregistrer Brown Bear et je valide. Ça prend un petit peu de temps, mais l'exportation se déroule sans aucun souci.